Je suis très heureuse de continuer cette aventure avec le Paris FC. Donc jusqu'en 2026, on a encore de très belles choses à accomplir et je suis très heureuse de faire partie de ce projet. C'est vrai que c'est une histoire qui dure dans le temps avec le Paris FC. Moi, je suis arrivée en 2016, donc je vois que année après année, le club continue de se construire et de grandir. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir discuter avec le président et la présidente. Et j'ai pleinement conscience que le Paris FC va continuer de devenir un très grand club. On a pu parler un peu des différents projets qui continuent de se mettre en place. Et je pense que demain, enfin dans le futur en tout cas, le Paris FC va vraiment devenir un club qui sera présent sur la scène européenne. L'année dernière, on avait eu la chance et l'opportunité d'atteindre le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Cette année, il nous reste encore un match pour atteindre ce tour-là. Alors c'est vrai que maintenant qu'on y a goûté, on a forcément envie d'y regoûter et d'aller encore plus loin. Et l'avoir fait pendant une année, donc l'année dernière, c'était super, c'était une superbe expérience. Et là, avoir l'opportunité de le refaire encore une deuxième année consécutive, ça montre vraiment qu'on s'inscrit dans la durée, qu'on travaille au quotidien, que c'est pas évident parce qu'au début de l'année, on part à égalité avec toutes les autres équipes et c'est vraiment une course durant toute l'année. Il faut vraiment prendre les matchs un par un, les gagner. Et c'est vrai qu'on est dans un environnement de performance. Et moi, je m'y retrouve pleinement et de savoir qu'on a une équipe compétitive et performante tout au long des années, c'est aussi pour ça, c'est ce qui me motive aussi moi à avoir re-signé. Il y a des grosses échéances qui arrivent sur le plan international avec la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc forcément, c'est de beaux objectifs. C'est vrai que si moi aussi j'ai prolongé, c'est parce que ici je me sens épanouie, que je sais que j'ai un environnement qui me permet d'être performante et dans lequel je me retrouve. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer de m'inscrire dans ce projet. On voit aussi que le club il s'entoure année après année de différentes personnes qui apportent aussi leurs idées, leurs ambitions et qui sont là aussi pour aider le club à continuer de se développer. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie de faire partie de ce projet parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer et ouais, moi je suis très fière et je pense vraiment que le fait d'avoir prolongé ça va aussi moi me permettre d'atteindre ces beaux objectifs avec l'équipe de France.